Bonjour. Donc, Franck Etav, du SMBS course à pied à Saint-Martin-de-Rix. À l'objectif aujourd'hui. Ouais, objectif, se faire plaisir. On va essayer de passer un bon moment tous ensemble, les plusieurs du club, et puis de se faire plaisir, surtout, c'est le principal. Vous êtes venu à combien Voilà, on est un petit groupe de 6-7 là. Voilà, on s'est motivé malgré la pluie, et puis on a bien fait, puisque finalement elle s'est arrêtée. Donc je pense qu'on va passer un bon moment. Vous êtes l'habitude de courir là. Oui, on vient souvent là, faire un peu de montagne dans le Pays Basque, malgré qu'on soit landais. Mais on vient faire un petit peu de dénivelé sur le 64, quoi. Parlez-nous de votre club, alors. Ouais, nous, c'est un petit club de village, quoi. Donc, on est une trentaine d'adhérents et on aime bien alterner un petit peu de route, un petit peu de trail forêt et un peu de montagne également. Bon, le but, c'est de partager la course à pied tous ensemble. Merci beaucoup. Vaquero. Bonjour, monsieur. Bonjour. Votre prénom? Christopher Vaquero. D'accord, je sais que vous êtes du côté, je vois Olympique Bayonne. Parlez-nous de votre course aujourd'hui. Aujourd'hui, je viens faire le trail de l'Oursouya, c'est plus pour faire quelques points sur le challenge Chapel Keta. Et pour continuer à faire quelques kilomètres en vue d'objectifs un peu plus lointains. L'autre jour, on vous a vu à Sarre aussi, vous avez fait un beau temps. Oui, à Sarre, ça s'est plutôt bien passé, il y avait un gros plateau. Aujourd'hui, il y a quand même un petit peu de monde, mais je viens surtout pour faire du volume, pour continuer à m'entraîner. Aujourd'hui, c'est quoi notre objectif alors? Aujourd'hui, j'aimerais bien être autour des 30e places. Ça serait pas mal, vu les conditions. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonjour. Non. Alors, donc moi, c'est Marie qui m'attend. Et moi, c'est Isabelle de Saint-Pé-sur-Nivelle. Voilà. Vous venez de Saint-Pé, vous venez de... Voilà, on vient du Saint-Pé, du club du SPUC. C'est quoi aujourd'hui l'objectif? Se faire plaisir. Et terminer la course. Terminer la course et prendre du plaisir. C'est la première fois que vous faites cette course? Non, moi c'est la troisième ou quatrième fois, je crois. Et moi c'est la première fois. Donc vous êtes habitué alors? Vous êtes habitué alors? Le parcours a changé cette année, donc ça va être la surprise. D'accord. Et moi ça sera une découverte. Est-ce que vous avez fait d'autres tailles avant? Oui. D'accord. Parlez-nous un peu au niveau de l'organisation et au niveau de la délivrée. Comment ça se passe quand on est fatigué? Souvent les trails sont tous super bien organisés, les bénévoles sont toujours très sympas. Les ravitaillements, la plupart du temps, c'est cool. Donc, on a fait le Shkal Trail, les Templiers, la course de Saint-Pé aussi. Le Trail de Saint-Pé, il faut venir, il est super sympa. Mais on en fait plein dans le coin. C'est une bonne ambiance et c'est convivial. Est-ce que vous prenez des gels énergétiques ou boire de l'eau? J'ai pas compris. Est-ce que vous prenez des gels énergétiques ou vous boire de l'eau? Ah, moi que de l'eau. Moi de l'eau aussi. D'accord, merci beaucoup. De rien. Bonjour madame. Bonjour. Comment vous appelez? Patricia. Christelle. Vous n'appelez pas, vous faites cette course? Non, moi oui, c'est la première fois. Vous avez fait d'autres trails avant? Oui. C'est quoi l'objectif aujourd'hui? L'objectif d'arriver, ouais. Avec le sourire. Vous aussi? D'accord, parlez-nous un peu au niveau des entraînements, comment vous faites? On s'entraîne tous les dimanches, surtout le dimanche, la rue. Hein. C'est notre terrain de jeu favori. Vous s'entraînez en groupe ou pas? Oui, oui. D'accord, vous êtes dans un club? Non. Merci beaucoup. De rien, merci. Ah, d'ailleurs.
Il arrive, hein. Au revoir.